Vav, il me semble. Nakhon, Nun Vav, Amud Bet. Amud Bet. Amud Bet. Nun, hein? Nun Zayin, Amud Aleph. Ah bon? Amud Aleph. Ah non, t'as raison. Nun Zayin, Amud Aleph. Je crois qu'on va. Oui. C'est le début, c'est le début. On est arrivé à Tanakh Shehu Mazé. Combien de lignes? À peu près une dizaine de lignes d'en haut de la page. Il y a un petit guillemet là. Nun Zayin Amud Aleph. Ce coup est dédié à la Refoua Shlema au Mira de Léa Bat-Esther et Shimon ben Rachmouna et Netanel Chai ben Selin Esther. Léa Bat-Esther. Léa Bat-Shaine. Léa Bat-Shaine. Elia ben Gila. Elia ben Gila. Léa ben Gila. Léa ben Gila. Léa. Mais pourquoi tout ça sur les prochains mois? Tirtza Bat Frecha. Et Tirtza Bat Frecha. Léa Bat Sarah. Hein? Léa. Elia Bat Sarah. Elia. Léa. Ah, Léa Bat Sarah. Bat Sarah. Nissim Bat Ben Tamar. Nissim Ben Tamar. Et Jean Abraham Ben Abraham. Et Jean Abraham Ben Abraham. Ok, messieurs, on y va, on y va. On est à Nun Zayin Amud Aleph, on y va. C'est écrit Tana. Shehu Mazé, Eno Mazé, Ana Parochet, Ela Keneged HaParochet. Quand le Kohen Gadol, à la deuxième étape, quand il commence à asperger du sang, Yom Kippour, dehors du Kodesh Kodeshim, il a fini de jeter le sang dans le Kodesh Kodeshim. Après, il sort dehors dans la Hichal, il se tourne vers le rideau, la parochet, il jette devant. Mais c'est précisé dans la Gemara, devant, Chumazé mazé à la parochet, Chehu mazé eino mazé à la parochet, elle a connecté la parochet. Il faut faire gaffe qu'il ne jette pas le sang sur, en contact direct avec la parochet, mais devant. Et ça va tomber par terre, comme un glaro. Quand il jette pas de façon que le sang va toucher le rabot. Le sang, hein? On touche pas. Oh, Richard demande une question fulgurante. Quel sang? C'est le sang qu'il a jeté auparavant à l'intérieur, le sang du pas et le sang du saïr, du bouc. Voilà, c'est les restes de sang qu'il va jeter maintenant devant la parochet. Devant le sang du pas. C'est-à-dire sur le... Ça ne touche pas la parochet, hein, C'est ce qu'on est en train d'apprendre. Mais oui, c'est que des guettes. On parle du... Qu'on appelle ça Zab. Non, pas de Mizbeach Zab. Parochet. Le rideau. Il donne le dos au Mizbeach Zab. Ah. On a dit qu'il fallait qu'il touche. Non, après, c'est plus tard, après qu'il a fini de jeter le sang sur la parochet, il va avec son doigt mettre du sang sur le misber Hazav. Amar Rabbi Elazar ben Rabbi Yossé, Ani Re'itia Beromi. En lui, il dit Rabbi Elazar ben Rabbi Yossé, moi j'ai vu la parochet à Rome. Vehayu Alea. Ah bon? והיו עליה כמה טיפי דמים של פר ושעיר של יום הכיפורים. כסיור לרידו, סיור לפרוכת, יביפיזו גוט דסון, כי תעשיתי תשי לפרוכת, יביפיזו סיור לפרוכת. יביפיזו גוט סיור לפרוכת, יביפיזו גוט דסון. דגוט דסון הפרמון הוא שעיר, et du pas, en dépit du fait qu'on vient d'apprendre que le sang n'était pas censé de rentrer en contact direct. Alors la Gemara dit Dilma, ve Dilma de par he elen davar shel tzibur ve seire abodazara habu. Parce que il y a d'autres offrandes dont le sang est jeté à l'intérieur, pas dans le misbech hanochoshet or, mais à l'intérieur dans le hichal. Et qui sont jetés en direction du rideau. De quelles offrandes on parle? Toutes les offrandes. Non, pas du tout. Les seules offrandes dont le sang est introduit à l'intérieur dans le Hichal, c'est ce qu'on... Il y a le sang de Yom Kippour, du Par et du Saïr, tu as raison. Et à part ça,
Il y a par Helem Davashel Sibour. Par Helem Davashel Sibour, c'est dans le cas rarissime où le Sanhedrin s'est trompé et a donné un enseignement, et le Tzibour Amisel s'est comporté selon l'enseignement, et il savait qu'ils se sont trompés. Il savait qu'ils ont fait une transgression qui grève Karet. Ils doivent apporter cette offrande dont le sang exceptionnellement est offert à l'intérieur. Et aussi, c'est iré Abodazara. Si le peuple a fait des Abodazara par erreur, en Shogeg, alors là aussi, ils apportent un seir dont le sang est introduit à l'intérieur. Et aussi le Kohen Gadol. Il me semble que le Kohen Gadol, s'il se trompe, alors il y a aussi là un. Mais, encore une fois, ce Rav qui dit, et Rabbi Lazar, Rabbi Yosef, moi j'ai vu le rideau, la parochette, à Rome, il y avait des taches de sang dessus. Alors, donc apparemment, c'est les taches de sang du pain et du saïr de Yom Kippour. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit pas apparemment. Il dit c'était. C'était. Ouais. Oui. Et la Gemara dit, comment tu sais? Peut-être c'est le sang du par Helem Davar Shel Tzibur, Veseire Abodazara Havo. Alors la réponse, il donne la réponse, de Chaza de Avidei Kassidran. Il dit non, parce que j'ai vu que les tâches étaient jetées dans l'ordre. C'est quoi dans l'ordre? On avait dit que les tâches que jette le Kohen Gadol et Kematzlif. C'est quoi Kematzlif? Il y a 1 et 7. Le 1, il est en haut, ouais, les 7 en bas. Et c'était dans une ligne, disons, verticale, de haut en bas. Ah, il a vu, ça c'était le. Donc apparemment, il dit, c'est sûr, tandis que les autres offrandes, dont le sang est jeté à l'intérieur, aussi en face du rideau, c'est pas dans cet ordre. Il jette comme il n'y a pas un ordre dans une ligne verticale. Vous savez quoi? Avant de continuer, j'aimerais tout de même regarder un Rashi. Le Rashi plus en bas, beaucoup plus en bas, qui dit Ani re'itiha beromi. Alors, c'est écrit Bemasechet Meila, Gabei Ben. Bemasechet Meila, dans le Rashi. Rashi dit Bemasechet Meila, Gabei Ben Talmiyom. Selon en ce qui concerne un certain Ben Talmion, Naasan Nes le Rabbi Elazar be Rabbi Yosef, Sheripa et Bat Melech Romi, Shenichnas Shed Begufa, Sheshmo Ben Talmion. Apparemment, il y a une histoire qui concerne la fille du roi de Rome, la fille d'un empereur romain, qui était gravement malade. Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu un shed. Elle a eu un démon qui est entré dans elle. Ouais, ça se passe. Ça se passe. Un shed, c'est un démon qui est entré dans elle. Et elle a perdu l'esprit. Et le nom de ce démon, c'était c'était Ben Talmion. De toute façon, on a convoqué ce rave. Et ils sont en toutes choses spirituelles, ils sont les experts. Et pour faire l'exorcisme. Voilà, et il a fait sortir cet esprit de cette fille, la fille du l'empereur. Little Kol, et voilà. Vehichnisuhu le'otsar ha-melech. Et en récompense, le roi lui a permis de rentrer dans les trésors, où il y a les trésors du roi, et de prendre ce qu'il veut. Little Kol mashirtse. Velo haya chafetz ela litol misham igrot shekadvu gzerot shegazru al Israël. Tout ce qu'il a voulu, ce chacham, ce tzaddik, c'est que quand il rentre, il voulait prendre. Il y avait aussi des parchemins, des lettres dans lesquelles il y avait des décrets mauvais qui ciblaient le peuple juif. Donc il a pris ces lettres, ces parchemins. C'est ce qu'il a pris. Umetzaham vekraham. Il les a pris, il les a déchirés. Vesham, en attendant, quand il était dedans, il a vu à droite, à gauche, le trésor. Ra'a clay beit hamikdash be'otsa. Entre autres, il a vu les ustensiles du temple qui étaient dans ce trésor. Et pourquoi il n'a pas pris? Il pouvait seulement prendre une chose. Il ne pouvait pas prendre tout le trésor du roi, l'empereur. Donc, il a pris, en fin de compte, les lettres qui consistaient de décrets, de mauvais décrets sur le saint. Il a pris, il a déchiré. Ça veut dire que c'est plus important que les clés. Bah oui. Oui, parce que ça représente un danger immédiat de. Ouais. Puis quoi, je comprends.
S'il n'y a plus de peuple juif, à quoi ça sert les kélim du Bet Hamidrash? Vous ne pouvez pas prendre les kélim. Tu es en forme ce matin. Alors la Gemara dit, la Gemara continue. Il dit qu'il serait mort s'il avait touché les kélim du temple. Qui dit ça? Qui le mort, je ne sais pas, c'est lui qui le dit. Ah, c'est un Lévi, hein, il a l'habitude. Il sait de quoi il parle. Et c'est écrit, je continue. Vetna nami gabei par helem davar shel tzibur ki haigavna. Et il y a un enseignement pareil qui s'applique au par helem davar shel tzibur, dont le sang aussi doit être jeté à l'intérieur devant le rideau. Kshehu maze lo hayu nogin be parochet. Quand ils jetaient le sang de ce par Helem d'Avar du Sanhedrin, le sang n'était pas censé rentrer en contact avec le rideau, avec la parochette. Ve'im nagu, nagu. Mais ici, on voit que c'est, disons, un peu plus court. Mais si, néanmoins, le sang a touché, alors c'est touché. C'est pas la fin du monde. La parochette, elle avait une couleur particulière. Pardon? La couleur de la parochette, c'était la même. Que quoi? Elle avait une couleur. On sait qu'il y avait du trélet, entre autres. Je ne sais pas exactement quelle était la couleur, mais il y avait du trélet. Elle ne devait pas être rouge. Qui a dit que c'est marqué nulle part? Amar Rabbi Elazar, be Rabbi Yose, ani re'itia be Romi. Moi, j'ai vu, encore une fois, j'ai vu la parochet en Rome, à Rome, ve hayu alea kamati peidamim shel par he'elem davar shel tzibur, ve se'irei abodazara. Et j'ai vu, j'ai constaté qu'il y avait des gouttes de sang du par de Helem Dabar, et aussi des boucs qu'on apporte quand le peuple a fauté avec Abodazara Beshogeg. Et la Gemara répond, c'est le même Rabbi oui, mais c'est deux versions différentes. Vedilma de par Veseir Shuyama Kippurim, Ninou. Mais peut-être en fin de compte, ce que tu as vu, c'est les gouttes de sang du par et du ciel de Yom Kippur. Il répond, de Chazenu. De Avidei Shelo Kesidran. C'est tout à fait l'opposé. Il dit non, parce que j'ai vu que les taches de sang sur le rideau n'étaient pas dans l'ordre. Aligné. C'était pas aligné. Et donc j'ai compris que ce n'est pas le sang du pain et des choses, ce doit être le sang du pain Helm Dava et Seir Akodazara. Ok. On continue. Il y a deux versions qui se contredisent à fond. Nitarvulo Damim Bedamim. Qu'est-ce qui se passe dans le cas? Où, vous savez que il a deux bols de sang, le Kohen Gadol Yom Kippour. Il a un ustensile de sang du par, un autre le sang du bouc. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident, il se mélange? Lui-même, plus tard, il va lui-même les mélanger. Quand il va mettre le sang sur le Mizbeach HaZahav, plus tard. Mais si avant d'avoir fini de jeter, avant qu'il a jeté le sang, les deux ustensiles, les deux choses, bols de sang se sont mélangés. Qu'est-ce qui se passe? Amar Rav noten achat le mala, ve sheva le mata, ve olelo le chan ou le chan. Il dit, tu sais ce qu'on va faire? On va mettre. Et quand est-ce que ça risque de se mélanger, le sang? Seulement. Il me semble, seulement une fois qu'il a jeté le sang à l'intérieur. Parce que quand il sort, après qu'il a jeté le sang, Kodesh Kodashim, il sort, il a maintenant deux bols. Il y avait le bol du par qui est déjà placé sur une estrade, et il a maintenant dans ses mains le bol du truc. On parle de là. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas, dans ce scénario où le sang s'est mélangé? Alors, propose Rav. Noten achat le mala, devant le rideau, il jette un en haut et sept en bas. Ve'olelo lechan ou lechan. Et comme ça, il est quitte. C'est comme dans ce mélange, il y a aussi bien le sang du par, il y a aussi le sang du seir. Et en fin de compte, on va dire, une fois qu'il jette en haut, il jette en haut, ça comprend le sang du seir, le sang du par, que de toute façon, ça va être jeté une fois en haut et sept fois en bas, aussi bien pour le par, aussi bien pour le seir. Comme ça, il fait pour les deux, il est quitte pour les deux. Le seir, c'était en haut. Pour les deux, tous les deux, ça doit être le par une fois en haut, sept fois en bas. Et pour le seir aussi, une fois en haut et sept fois en bas. On apprend le par du seir. On apprend le seir du par. Oui. On a rapporté cet enseignement de Rav Amrua Kameh de Rabbi Yermia. Ah, Rabbi Yermia.
Et quand Rabbi Yahmi a entendu ça, ça ne lui a pas plu. Amar Bavlaï Tipshaï. Il dit, c'est Bavlim, ils sont bêtes. Meshum de Daire Be'are de Chashucha, Amre Shma'ata de Mechashran. À force de vivre dans un endroit, dans un pays qui est sombre et dans l'obscurité, ils enseignent des enseignements qui sont obscurs. Ha kayahiv le mala de Sa'ir, mikamei mata de pa. Parce que selon ce que lui propose, Rabbin, tu dis que quand tu jettes une fois en haut, ça comprend le sang du Sa'ir et le sang du pa. Mais nous, on sait que d'abord, il faut jeter et finir de jeter le sang du pa. Et seulement après, jeter le sang du Sa'ir. Et si tu dis quand je jette une fois en haut, ça comprend aussi le sang du Sa'ir et le sang du pa. Il savait que tu as fait en haut pour le Sa'ir avant de faire en bas pour le pas. Mm-hmm. Alors la Gemara dit, Ha kayahiv le malade de Sa'ir, il savait qu'il jette une fois en haut pour le Sa'ir, mikam et avant, mata de pas. Va Torah amra, la Torah a dit, Vechila mikaper et akodesh. C'est écrit que quand il finit de l'échapper dans le kodesh, et les sages ont appris de ça, c'est quoi fini, Kila dam hapa. Une fois qu'il a fini de jeter le sang du pain, seulement après, il entame de jeter le sang du Seir. Kale, c'est jeter. Kale, c'est finir. Et là, Amar Rabbi Yirmiya, plutôt qu'est-ce qu'il faut faire? Noten achat le mala v'sheva le mata, le shema pain. Il faut jeter ce mélange une fois en haut, sept fois en bas. Il va dire que ça, c'est pour le pain. Et c'est sûr que dans ce mélange, il y a aussi présent un élément du sang du par. Donc il dit, bon, je fais une fois en haut, sept fois en bas, uniquement c'est pour le par. Je rends compte que c'est pour le par. Vechoser, venoten, achat le mala, vechever le mata, le shema seir. Il répète ça encore une fois, et si cette fois c'est pour le seir. On ne peut pas imaginer que, a posteriori, il peut dire ce bol, il sait qu'il s'est trompé. C'est qu'il y a un mélange. Il y a un mélange. Mais il y a toujours deux bols. Non, il y a un bol dans lequel ils se sont mélangés. Il y a un seul bol. Oui. Bon, ben, alors c'est un seul bol, c'est le principe du rov. Principe du rov. Rov, c'est le sang du par. Il peut dire ça, c'est le sang du par. Et alors le seir. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'il va faire le sang du seir? Le sang du seir, c'est le deuxième bol. Mais il y a un bol. Et où est passé le deuxième bol? J'ai dit, il s'est trompé. Je vais te dire. Comme plus tard, je propose le scénario, comme plus tard, de toute façon, il va jeter un bol dans l'autre, et à nouveau jeter un bol, il va lui-même mélanger. Peut-être il est sorti, il a commencé à mélanger. Mais il faut changer de Kohen Gadol. Hein? Hein? Non, parce on a pensé que à quoi, justement? On avait dit, Richard, que le Yom Kippur, le Kohen Gadol, il est épuisé, parce qu'il n'a pas dormi toute la nuit. Et lui, il fait tout le service, il risque d'être fatigué et il risque de se tromper. C'est gros, qui ne risque pas vraiment d'être. C'est rarissime, c'est très rarissime. On dit qu'est-ce qui se passe dans ce scénario, qu'est-ce qui se passe? Mais là, la réponse à Richard, c'est oui. Il a posé la question, est-ce qu'on peut imaginer? Oui, on peut imaginer. On continue. Nitzarvu lo damim bedamim bematanot ha'achonot. On a un autre scénario. Qu'est-ce qui se passe si le sang s'est mélangé pour les dernières aspersions. Maintenant, c'est quoi les dernières aspersions? Regardez le dernier Rashi sur la page. Be matanot achronot. Rashi, dernière ligne. Achar shenatan achat le mala minapar. Je veux dire, il a jeté le sang du par une fois en haut, comme il fallait. Après, il est censé le faire sept fois en bas. Et avant qu'il ait fait sept fois en bas, les sangs se sont mélangés. Comme ça, en plein milieu de l'aspersion. En plein milieu. Je ne sais pas quand il a vraiment dû être fatigué. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce cas?
Savara papa kame de rava le meima. Noten sheva le mata le shem pa. Ve le shem seir. Ve choser ve noten achat le mala le shem seir. Il dit, tu sais quoi? Je vais te dire ce qu'il va faire. Il va jeter maintenant, après qu'il a fait une fois en haut pour le pain, il va jeter sept fois en bas. Les sept fois en bas, ça va comprendre pour le pain et pour le seir. Après, il va faire une fois en haut. Ça il n'a pas encore fait pour le seir. Il jette en bas avant de jeter en haut. Pourquoi il fait ça? Alors la Gemara dit, Amar le Rav, ad hashta. Rav lui dit, jusqu'ici, Karulan Tipshai, on nous a traité de bêtes. Et maintenant, si on va relayer cet enseignement, tipshide, on va nous appeler des gros bêtes, des super bêtes, des imbéciles à fond. Parce que, de kagamrinen, megamrinen le hu, velogamiri, on nous enseigne et néanmoins on n'apprend pas. Vahaka yahiv mata de seir, mikame mala de seir, parce que selon ta suggestion, ta proposition, tu vas jeter les sept fois en bas pour le seir. Avant que tu vas jeter une fois en haut pour le seir. Va Torah. Si j'étais en haut, ça peut retourner dessus. Oui, oui, oui. On avait dit plusieurs fois que quand on parle de jeter en haut et en bas, c'est pas que, encore une fois, le sang ne touche pas la parochette. Ouais. C'est simplement en haut. On avait dit un autre, quand il jette le sang haut, il fait comme ça avec sa main. Il fait comme ça. Mais ça tombe par terre. Maintenant, les sept fois qui vont venir, à chaque fois qu'il jette, ça va se rapprocher de lui. C'est toujours par terre. Mais au lieu de faire comme ça, il fait comme ça. Donc, et ça s'appelle sept fois en bas, une fois en haut. Mais tout ça, c'est une ligne. C'est aligné par terre. C'est pas. Et pourtant, celui qui a vu à Rome, la parochette, ça veut dire que le moment où s'il a vu les taches, ça veut dire que c'était pas trop par terre. C'était apparemment, ça a touché. Et t'as joué aux boules, toi, une fois dans ta vie? Oui. Ok. Quelquefois, dans les boules, on n'arrive pas à faire comme il faut, on jette trop loin ou trop près. Les havdil. Ok. La Gemara dit. La Gemara dit, la Torah amra ten le mala ve'achakach le mata. La Torah précise que d'abord tu dois jeter en haut et seulement après en bas. On tourne la page. Et là, Amar Rav, c'est comme ça qu'il faut faire. Noten sheva le mata le shem par. Tu es une fois, tu as fait en haut pour le par. Après, ça s'est mélangé. Alors tu fais sept fois maintenant en bas à partir du mélange pour le par. Après, tu refais ça pour le seir. Okay. C'est évident, quoi. Apparemment. C'est tellement évident que je m'étonne de la part du Chacham qui a proposé autrement. Nitarvu lo kosot be kosot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a un autre scénario où. Ça, c'était Rav Papa. Hein. Pourtant, on dit Rav Papa. On parle de lui à chaque sium de. Maseret. Il ne sait pas en fin de compte qu'est-ce qui s'est passé. Il a deux bols de sang. Un bol de sang, c'est le sang du pain. L'autre bol de sang, c'est le bol de sang du seir. Il arrive plus. Quel est lequel? C'est pas que le sang s'est mélangé. Les deux bols, il n'arrive plus à savoir quel est le bol de quoi. On avait dit hier. On en a parlé hier. On en a parlé hier. Il n'était pas là, il était fatigué hier. Alors, la Gemara dit Noten ve choser ve noten. Ve choser ve noten shlosha pa'amim. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend un bol, il jette une fois en haut, sept fois en bas. Il prend l'autre bol, il fait une fois en haut, sept fois en bas. Et après, il prend l'autre bol, le premier bol qu'il a fait, il refait une fois en haut, cette fois en bas. Qu'est-ce qu'il a gagné dans l'affaire? Regardez le Rashi. Deuxième ligne à partir du haut. Noten vechoser venoten vechoser. Bechol avoda vavoda. À chaque fois qu'il fait le service, noten achat le mala vecheva le mata. Il jette une fois en haut, cette fois en bas. Mina echad de chaque bol, du bol. Vechoser venoten mina sheni. De manefcha, comme ça, de toute façon,
אם ראשון של פר היה, ושני של צעיר, יצא בראשונה. Parce que si le sang qu'il a jeté la première reprise, c'était le sang du bouc, et donc le bol qu'il a pris après, c'était le sang du pain, de toute façon, il a bien agi. Mais si en fin de compte, le sang qu'il a pris au début, c'était le sang du bouc, le sang du bouc, hein? Oh, alors, ça veut dire que ce qu'il a fait au début de Rachedim, il savait que ce qu'il a fait ne vaut rien. Ah, ouais. C'est comme s'il n'a rien fait. Que de Tanya, par me akevet aseir. Donc, de cette façon, après, il va faire le par. Après, il va faire l'autre, le seir. Donc, de toute façon, s'il fait à trois reprises, il est quitte de toute façon. Yatsa bashnia ou bashlishit, chare kadam par le seir, vechen beichal. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Oui, c'est clair, Yoel. Ouais. Heureusement que tu m'as dit que tu n'as pas compris. On a un problème qu'il s'est confondu entre les deux bols. Il ne s'est pas repéré quel est le bol avec le sang du Seir et quel est le bol avec le sang du pain. Qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, s'il les mélange. Non, ils ne sont pas mélangés. Les bols, ils ne sont pas mélangés. Le sang n'est pas mélangé. Avant, on parlait d'un cas où le sang était mélangé. Ici, le sang n'est pas mélangé. Ces deux bols, il oublie quel est le bol de sang. En dépit du fait que c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce qu'on avait parlé de ça hier. Parce que le sang, la couleur du sang du pain, le rouge, il est plus rouge, un rouge foncé que la couleur du sang du seir. On avait dit aussi quantitatif, il est censé être plus. Quoi que ce soit, ici, il ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On te dit, tu sais quoi, tu prends un bol, tu le jettes, c'est une fois en haut, sept fois en bas. Maintenant, tu prends l'autre bol, une fois en haut, sept fois en bas. Après, tu reprends le premier bol, une fois en haut, sept fois en bas. Qu'est-ce que tu gagnes dans l'affaire? S'il s'avère que le premier bol que tu as pris, c'est le bol du pain, bon. Et après, tu as fait le sang du Seigneur, ouais. C'est bon. C'est ouais. Ou le premier ou le troisième. Voilà. Et si il s'avère que le premier sang que tu as pris, c'est le sang du Seigneur, alors il s'avère que la première fois, ça ne vaut rien. Ouais. Et tu continues, donc la deuxième fois, c'est le sang du pain. Et tu reprends encore une fois, troisième fois, le sang du Seir. Et tu vas le faire après le sang du pain. De cette façon, une fois, c'est le troisième qui n'est pas saoul, une fois, c'est le premier qui n'est pas saoul. Ok, on continue. La Gemara dit... Miksat damim nitarvu lo, ou miksat damim lo nitarvu. On a encore un autre scénario. On a les deux bols. Il y a un élément de chaque bol qui s'est mélangé dans un troisième bol. Et il y a les restes. Chaque bol, il y a du reste qui est resté. Donc il sait, il y a le bol du pain. Et alors il y a un peu s'est versé dans un troisième bol avec un peu avec le bol du seir. Et voilà. Donc on a trois bols. Un pain, l'autre seir, troisième mélange. Alors, la Gemara dit, dans ce cas... Je laisse le celui qui est mélangé de côté. Si j'en ai assez, je fais avec les deux autres. Apparemment, tu as tout à fait raison. Ça se passe quelquefois. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce qui se passe en ce scénario? Alors, la Gemara dit, « Miksat damim nitarvolo » ou « Miksat damim lo nitarvolo » Pshita, c'est évident. « Ki yahiv, mi vada'in yahiv » C'est évident, comme Chaim a dit, que ce qu'il va jeter... C'est le sang qui reste dans chaque bol, le sang du par, le sang du seir, donc c'est évident. L'agma dit, oui, mais ça, ce n'est pas le problème qu'on a. Le problème c'est vis-à-vis du mélange dans l'autre bol. « Mihu hanach shiraim havu ul yesod azlein » Est-ce que le statut du sang qui a été mélangé, c'est considéré comme shiraim? Shiraim, c'est les restes. Qu'est-ce qui se passe, vous entendez? Une fois que le Kohen Gadol a fait les aspersions, il y a du sang qui reste dans le bol. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il jette, il verse les restes dans le Yesod HaMizbeach. Yesod HaMizbeach, il va dehors dans la cour, il y a le grand Mizbeach en Rochette. Et il y a deux trous par terre. Et ça s'appelle Yesod HaMizbeach. Il jette les restes dans ce trou. Il y a un canal en bas. Ça descend par le tuyau. Et puis,
Ok, ça s'appelle Yesod HaMashiach. Ça fait des engrais, ça. Oui. Est-ce que ça, ce qui fait au Delma de Chouin Havu, ou peut-être ce sang, c'est considéré comme du sang rejeté, c'est pas considéré comme les restes, et dans ce cas, Azleil Hama, on les jette dans les tuyaux. Il y avait des canaux, des tuyaux qui traversaient le sol du temple. Ils avaient des potagers autour. Et dans ces tuyaux, on mettait l'ichlour, on mettait des égouts. Comme un égout, les restes de sang ou de jus ou de choses, on les jetait dans ces choses. Et puis ça aussi allait dehors. Mais vous comprenez, il y a deux. Comment, c'est quoi le statut du sang qui reste, qui a été mélangé? T'as compris le scénario? Ou je répète? Il y a deux bols, un bol de sang du pain, un autre bol c'est le sang du saïr. Et ils se sont mélangés un petit peu ensemble, ils ont tombé tous les deux, après ils les ont redressés. Après qu'ils ont tombé, le Kohen Gadol les a redressés. En attendant, ils se sont mélangés les deux dans un troisième bol. Donc il y a un élément de mélange dans un troisième bol. Il y a un élément qui est resté quand il les a remontés, disons, de sang dans le bol du saïr, le bol du pain. Alors c'est évident que quand il va faire le service avec le sang du pain et le sang du saïr. La question est, quel est le statut du sang qui a été mélangé, hein? Est-ce que c'est considéré comme shiraim? C'est les restes. Et si c'est les restes, on les met dans le Yesod HaMizbeach. Ou est-ce que c'est quelque chose qui était rejeté et ça vaut rien, on les jette dans les canaux comme ça, où on jette les liquides en plus dans le temple. Ça, c'est la question. Alors, la Gemara dit, « Oh, havel yisod azlein, o delma dechouin havu, ve azlein lama, amar ha-papa. » Est-ce que vous voyez amar ha-papa? Oui. Amar ha-papa, afilu le man de amar, kos echad, o secha ve roshiraim. Même selon l'opinion qui dit, il y a une machloket qui dit que, disons, quelqu'un a reçu le sang dans plusieurs kosot, dans plusieurs bols. Alors, il a pris à partir d'un bol du sang pour jeter, pour mettre sur le misbeach, ça transforme les autres bols en shiraim. Et donc, ça veut dire que les autres bols, le sang dans les autres bols doit être jeté dans le yisod de misbeach. Dans les deux autres bols? Disons, il y a 3-4 bols, je ne sais pas. Non, c'est le sang qui est dans le troisième bol. Non, sans parler maintenant d'un mélange. Quelqu'un est dans un cas de figure normal. Il fait shrita d'un pain. On avait dit hier qu'il y avait beaucoup de sang qui sort du pain. Il a reçu le sang dans deux ou trois ustensiles, bols, kos. Maintenant, il a pris le sang qu'il devait prendre à partir d'un bol pour le mettre sur le misbeach, jeter sur le misbeach. Plus besoin du reste. Il n'a plus besoin du reste. Alors, il y a une opinion qui dit, ok, mais les autres bols sont considérés comme shiraim vis-à-vis du premier, c'est les restes, et donc ils sont mis dans les yesod de misbeach. Alors, la Gemara dit ici, Amar HaPapa, Afilu, le man de Amar kos echad osecha bero shiraim. Même selon cette opinion qui dit un verre transforme les autres verres, le contenu des autres verres en shiraim. Hanemile, ça s'applique. Heiche de ibay le meitav, matse, yahiv. C'est seulement quand, théoriquement, s'il aurait voulu prendre le sang des autres bols, il aurait pu. Vous entendez, on a eu trois bols, disons quatre bols de sang du pain. Il a pris du sang d'un bol. Mais les autres bols, il aurait pu aussi facilement utiliser le sang qui était dans les autres bols. Il aurait pu. C'est pour ça que les autres bols, le sang des autres bols est considéré comme shiraim. Mais ici, dans notre cas, où le sang s'est mélangé, ce n'est pas utilisable. Comme c'est du sang mélangé, ce n'est pas un truc qui est dans un monde idéal. Ce n'est pas utilisable. Alors la Gemara dit, « Heiche dit, s'il aurait voulu le meitav en prendre du sang des autres bols, matseyahib, il aurait pu prendre et donner. Avalhai de ibay le meitav lo matseyahib, mais dans notre cas où on prend le sang qui a été mélangé, l'eau, on ne peut pas le mettre.
Amar le Rav Huna berei de Rav Yoshua le Rav Papa. Il dit Adarabba. Adarabba, afilu le man de Amar, kosechad ose chabiro d'Achoui. Lui dit au contraire, même selon l'opinion qui dit qu'une fois que tu as pris le sang d'un bol, s'il y avait du sang qui restait dans le même bol, ça, ça s'appelle Shiraim. Mais tu ne peux pas me dire que le sang des autres bols, c'est Shiraim. Le sang des autres bols, ça s'appelle Dachoui, c'est rejeté. Mais quand est-ce qu'on dit que c'est rejeté? Anemile de Dachia Beyadaim. C'est seulement quand lui-même, consciemment, il a décidé d'utiliser le sang qui se trouvait dans un bol. Il a décidé, le sang qui se trouve dans les autres bols, je n'utilise pas, c'est comme s'il les a rejetés. Alors là, c'est rejeté, c'est Dachoui. Mais dans le scénario dont on est en train de traiter, où ils se sont mélangés ensemble sans qu'il a voulu, alors non, il n'a pas rejeté le sang. Ça, c'est, de soi, il y a eu un accident. Ou peut-être l'eau. Et maintenant, on va voir la machloket dans les 5 minutes à venir. De Tanya, c'est écrit dans une braïta. Le mala hu omer vet damo yishpoch le mata. Il y a plus haut dans la Torah, il y a un verset qui dit que le sang, on parle du sang qui reste. Le sang qui reste, qu'est-ce qu'il en fait? Ishpoch. Vas-y, vas-y. Le film, d'après ce que j'ai écrit, c'est pas comme vous avez lu. Possible. C'est le mala hu omer vet damo yishpoch. Pardon? Répète. Le mala hu omer vet damo yishpoch. Oui. Oui, mais vous avez dit le mala ou omer vet damo ishpoch le matin, ou le matin. Non, non. Peut-être que je ne me suis pas exprimé. Le mala, j'ai dit qu'il y a un verset en haut. Dans ce verset en haut, c'est écrit et damo ishpoch. Un point. Que le sang doit être jeté. Mais c'est quel sang? Son sang. C'est le sang du bol. Les restes du sang du bol doivent être jetés dans le fameux Yesod Amisber. Velemata, plus tard, en bas dans la Torah, c'est écrit, Hu Omer vet kol dama yishpoch. Il y a une autre expression qui ne dit pas damo, mais tout le sang. Tout le sang doit être jeté en bas. Le sang, tout le de sang quoi? Qui reste. Le sang de quoi? Oh, ouais. Dama. Oui, pardon. C'est pas damo, dama. Non. Oui, mais il ne faut, pas prêter. Ici, dans ce contexte, il ne faut pas prêter trop d'attention sur damo, dama. Mais le problème, c'est ici, c'est écrit kol dama. Tout son sang. Avant, c'était écrit Damo. Quelle est la différence? La Gemara dit Minayin lechatat shekibel dama ba'arba kosot venatan mize achat ou mize achat shekulan nishpachin leyesod. D'où est-ce qu'on apprend? Vous entendez? Il y a achatat, korban chatat. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui est spécial avec l'offrande qui s'appelle chatat? Qu'est-ce qui est unique? Le sang du Khatat, le Kohen, il prend le sang, il monte sur le Misber, il met le sang sur les 4 coins. Tandis que le sang des autres offrandes, n'est pas, il ne le fait pas monter au-dessus, il ne le met pas sur les coins, il jette le sang, quand il est, le Kohen est par terre sur le sol, il le jette sur les parois extérieures du Misber. Quoi que ce soit, si on a un scénario où le Kohen a reçu du sang dans 3 ou 4 kosot, il a pris un peu de sang de chaque cosse. De chaque cosse, il a pris un peu de sang. Un cosse, il met sur un coin. L'autre cosse, il met un petit peu sur le deuxième coin. Troisième cosse, il met un petit, prend un peu de sang pour le troisième coin. Alors, d'où est-ce qu'on a ce Minayin lechatat shekibel dama ba'arba kosot venatan mize achat ou mize achat shekulan nishpachin leyesod. D'où est-ce que je sais que le reste des 4 kosot va être jeté dans le yesod? Talmud lomar vet kol Dama Ishpor. Là, on applique le verset dans la Torah qui dit tout le sang va être jeté. C'est quoi tout le sang? Tout le sang qui se trouve dans tous les bols, dans tous les kosot. La Gemara dit Yechol afilu natan arba matanot me'achat mehen. Et qu'est-ce qui se passe si, au lieu de prendre un peu de sang de chaque bol, il a pris les 4, pour les 4 coins, il s'est servi uniquement de un bol, un kos. Est-ce que là aussi, les autres kosot, on va les jeter, le reste du sang, on va les jeter dans les sotes? Automatiquement. Non. Et damo ishpor. Hu nishpach les sotes, vehen nishpachin da ama. Là, dans ce cas, c'est uniquement le bol duquel on a pris les 4 matanotes
le reste du bol va être jeté dans le Yesod, tandis que les autres bols sont considérés comme d'Achoui, ils sont jetés dans le Hama, dans le tuyau, le canal. Ça change quoi? Ça change encore une fois. On essaie de comprendre dans la Torah, il y a deux expressions. Il y a une expression qui dit « et damo ishpor », le sang qui reste, tu le verses, dans Yesod Amisber. Il y a un autre verset qui dit « vet kol dama ishpor ». Qu'est-ce qui vient ajouter ce mot « kol dama », tout son sang. On nous donne un scénario. C'est quoi le scénario? Le type, il a reçu le sang après la shrita dans quatre bols. Maintenant, si il prend un petit peu de chaque bol pour mettre sur chacun des coins, des quatre coins, donc il a utilisé le sang dans chaque bol un petit peu. Donc là, c'est évident, on va appliquer le verset qui dit « et kol dama », tout le sang qui est sorti après la shrita, tout le sang qui reste dans les quatre bols va être jeté. Parce que tout le sang qui est dans les quatre bols, ils sont considérés comme shiraim. C'est considéré comme les restes. Comme il a pris un petit peu de sang de chaque bol, dans chaque bol, il y a ce qui reste, c'est des shiraim. Donc les shiraim vont être jetés. Mais dans le cas similaire, il y a quatre bols, il prend du sang de un bol. Et à partir de ce bol, il va prendre et mettre sur les quatre coins. Il n'utilise pas du tout le sang des trois autres bols. Les trois autres bols ne sont pas considérés comme shiraim. Ce n'est pas les restes. Et donc les trois autres, ils vont être considérés comme dachoui, rejetés, et ils vont être jetés dans l'ama, et pas dans le Yesod Amisber. Alors c'est comme ça, là on applique le verset, va être d'amo, pas l'autre, pas être kol d'ama, être d'amo. La Gemara dit, va être d'amo ishpor, hu nishpach l'Yesod, ve hen nishpach inama. Encore une minute, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Omer, minay nechatat, shekibel d'ama, ב-4 כוסות, ונתן 4 מתנות מאחד מהן. D'où est-ce qu'on sait que si encore une fois on a un korban chatat, on a reçu de ce korban chatat le sang en 4, il y a beaucoup, hein, dans 4 kosot, 4 bols. ונתן 4 מתנות מאחד מהן. Et en attendant le Kohen, il a seulement utilisé un bol duquel il a pris du sang pour mettre sur les 4 coins du misber. D'où est-ce que je sais chez Kulan Nishpachin de Yesod que le sang des quatre bols, ici c'est l'inverse, va être jeté dans le Yesod. Talmud Lomar Bet Kol Dama Ishpor. Il dit, tu sais, parce que le verset dit, tout le sang va être jeté. Ne pense pas, quand tu n'as pas utilisé les autres trois bols, que non, ils ne sont pas impliqués dans l'affaire. Ils sont impliqués dans l'affaire et donc le sang dans les autres trois bols sont considérés comme des restes et les restes sont jetés dans Yesod Amisber. Alors la Gemara demande vers le Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, selon lui, Hakti vet damo ishpor. Et comment il va faire, qu'est-ce qu'il va faire, le verset qui dit, tu prends uniquement ce sang est jeté, le reste du sang n'est pas considéré comme shiram. Comment tu l'appliques ce verset? Amar Rav Ashi le ma'utei shiraim shebetsava behema. Il dit, ça vient exclure les restes du sang qui se trouvent toujours dans le cou de la bête, après la shrita. Il dit, même quand je te dis que dans le scénario, il a reçu le sang qui est sorti après la shrita, il a reçu ce sang dans quatre bols, il a seulement utilisé le sang d'un bol pour mettre sur le misber, néanmoins, le sang dans les autres trois bols sont considérés comme les restes, shiraim, en tant que reste, ils sont mis dans le Yesod Amisber. Alors, qu'est-ce que tu fais avec le verset qui dit qu'il y a seulement cet élément de sang, et d'amo, ishpor, au singulier, et ça laisse entendre qu'il y a d'autres sangs que tu ne jettes pas dans le, qui ne sont pas considérés comme shiraim. À quoi ça fait allusion? Ça fait allusion au reste du sang qui se trouve toujours dans la bête, qui se trouve toujours dans le cou de la bête après shrita. Tu ne vas pas dire que le reste du sang qui se trouve dans la bête, en fin de compte, quand ça va sortir, ou qu'on va le faire sortir, on doit le jeter dans le shiraim. On doit le jeter dans le Yesod Amisber. Ça, c'est exclu. Ça, c'est exclu. Donc, bref, on a eu deux façons différentes d'aborder ces deux versets dans la Torah, deux explications différentes, et voilà. Donc, on a fini, et il me reste à vous souhaiter un très, très Chag Kasher Pesach, Pesach Kasher Samer. On va avoir le mérite
d'arriver à la Géoula Shlema. On va entendre seulement des bonnes nouvelles. Shabbat Agadol. Et